Bonjour, moi je m'appelle Luc et ensemble aujourd'hui on va faire une séance de cuisse abdo-fessier. Donc on n'aura pas besoin de matériel, un tapis si possible, pourquoi pas une serviette et une bouteille d'eau. Alors, vous allez me suivre tout au long de la séance, on va faire des exercices ensemble, vous pourrez mettre par exemple la séance sur votre télé ou sur un ordinateur et on fera tout ça en même temps. La séance sera progressive en intensité, donc on ne va pas faire d'échauffement à proprement parler, on va tout de suite commencer avec les exercices. Allez, c'est parti! Donc, sur le dos pour commencer, sur son tapis, on va commencer avec un exercice pour les cuisses et les fessiers, ça s'appelle les relevés de bassin. Donc, au sol, la tête posée, les mains posées sur le côté, les talons, largeur d'épaule, bien proche des fessiers, on souffle, on monte, on inspire, on descend. On commence avec ça. Donc, on va commencer à sentir que ça chauffe dans les cuisses et dans les fessiers, on inspire, on descend. On souffle, on monte, on pousse bien les hanches le plus haut possible. On pousse bien avec ses talons, on peut décoller même un petit peu les pointes de pied. En haut du mouvement, pensez à bien rentrer le ventre pour ne pas exagérer la courbure du bas du dos. Donc je rentre le ventre, je serre bien les fessiers, je redescends. Encore. Les genoux restent quant à eux bien au-dessus des talons. Pas de genoux rentrés ni trop écartés. On repose. On alterne avec un exercice pour les abdominaux. Donc, les mains derrière la tête, les coudes bien écartés. Menton décollé de la poitrine. On souffle, on s'enroule. On inspire, on descend. On enroule bien la colonne et on déroule en descendant. Le regard au plafond tout le temps. On ne tire surtout pas sur sa nuque comme ça. On garde bien les coudes écartés. Et on relâche. On reprend une deuxième fois les relevés de bassin. Donc, les talons bien proches des fessiers. Je monte, je descends. On serre bien les fessiers, on contracte à fond. On inspire jusqu'à toucher le sol sans relâcher. Vraiment, on effleure juste en fait. Et je repars. Et on relâche. On reprend les abdominaux, les crunchs. Et cette fois-ci, on va ramener un genou à chaque fois, bien dans l'axe. Regardez. On alterne, on change de genou à chaque fois. Et on expire vraiment à fond quand on s'enroule sur les abdominaux. Et on relâche. On va reprendre les relevés de bassin, mais cette fois-ci sur une seule jambe. Donc, une jambe au sol, le talon bien proche du fessier, l'autre jambe à la verticale, comme ceci. Pas obligé de tendre la jambe complètement, on peut fléchir un petit peu, tant que la cuisse reste bien à la verticale, comme ça. Et c'est parti. On souffle, on monte bien haut. Pousse bien dans son talon. Encore, on gagne bien aussi le bassin pour rester bien aligné ici et pas être tout tordu, pas se faire mal au dos. On relâche. L'autre côté, l'autre jambe, la même chose. Le ventre bien rentré au haut du mouvement. On relâche une deuxième série, les abdominaux. On ramène un genou à chaque fois. Encore continuer. Enroulez bien le dos, la colonne. Soufflez bien quand vous enroulez, quand vous montez.
On garde bien les coudes écartés, le regard au plafond. On continue. Allez, on expire à fond en s'enroulant. On change de genou à chaque fois. Encore. Vraiment, quand on s'enroule, on plaque le bas du dos dans le sol. On décolle bien le haut du dos. Et là, on inspire, on descend bien justement pour bien étirer les abdominaux encore. Et on relâche. Ok. On peut voir un petit coup. Et on va se mettre debout maintenant. On pousse un petit peu son tapis. Et on va faire des squats. Alors, les squats, c'est parti. Donc, on est chaud au niveau des fessiers et des cuisses. On va commencer avec des squats. Donc, talon largeur d'épaule. Les orteils un petit peu vers l'extérieur. On va pousser les hanches vers l'arrière. On inspire, on descend. On souffle, on monte. On inspire. On souffle, continuez. Donc vraiment, on pousse les fesses vers l'arrière. Ensuite, on fléchit les genoux. On garde bien le dos droit, notre cadre naturel en bas du dos. On regarde bien devant soi. On inspire en descendant. On souffle en montant. On peut faire comme ça avec ses bras. Donc surtout pas regarder par terre, arrondir le dos. Encore. Encore un petit peu. Ne rentrez pas aussi les genoux vers l'intérieur. Pas de squat comme ceci. On garde bien les genoux en direction des pointes de pied, là, un petit peu sur l'extérieur. Les talons toujours bien au sol. Ok. On va faire des squats avec du gainage. Donc le gainage, on se place comme ça sur son tapis, bien les avant-bras en entier au sol, les épaules au-dessus des coudes, pas les épaules trop en avant, ni comme ça, bien au-dessus des coudes, soit sur les genoux, soit sur les pieds, comme on veut, comme on peut, on souffle, on tient la position, on respire doucement, surtout pas les fesses en l'air, on tourne bien son bassin sur le gainage, on tient, tenez encore. Rentrez bien le ventre, comme j'ai dit, pivote le bassin, les abdominaux seront plus contractés. On tient la position encore. On lâche pas. Surtout pas cambrer le bas du dos. Encore, on tient. Si on n'en peut plus et qu'on est sur les pieds, on peut poser les genoux, mais on reste en gainage. Le regard bien au sol. Ok, on relâche. Et on se remet debout pour les squats. Cette fois-ci, on va faire un petit en bas à chaque fois. Allez, les mêmes consignes que tout à l'heure. Les talons, largeur d'épaule. Les orteils un petit peu vers l'extérieur. On inspire en descendant. On souffle en montant. Encore, un petit en bas, je remonte, allez on lâche pas, et on reprend notre série de gainage. Et cette fois-ci, si on est sur les genoux, on reste pareil sur les genoux, on fait la même chose. Si on est sur les pieds, on va écarter un pied, revenir et faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Allez, les mêmes consignes que tout à l'heure, on rentre bien le ventre, le regard au sol, pas les fesses en l'air. Allez, on lâche pas. C'est du gainage dynamique, un petit peu plus dur. S'il y a du mouvement, on crée l'instabilité. On est obligé de bien contracter même les obliques, les muscles profonds des abdos. Super. On repasse debout. Une dernière série de squats.
C'est parti. Cette fois-ci, on ne va pas remonter entièrement et tendre complètement les genoux. On vient jusqu'ici. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. C'est parti. Comme on ne tend pas complètement les genoux, on est toujours en tension dans les muscles des cuisses. Donc ça va plus vite brûler. Encore, continuez. On lâche pas. Toujours bien ses talons au sol. Ça va commencer à brûler un petit peu. On tient. Encore. Encore. Et on bloque en bas. On bloque en bas. On tient. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Très bien. On repasse sur le dos maintenant. Avec un exercice pour les abdominaux. Les mains au sol, la tête posée. Ici, on décolle les pieds. Les cuisses bien à la verticale. On va enrouler le bassin ici. Pivoter un petit peu le bassin. Décoller les fesses. Et emmener les épaules, les genoux, pardon, en direction des épaules. C'est parti. Vraiment. On enroule bien. On vient pas plus loin que la verticale. Pour pas aller cambrer au niveau du bas du dos. On bloque ici. Continuez. Si vraiment vous êtes comme ça, vous avez une cambrure importante au niveau du cervical, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Encore. Ok, top, super. Maintenant, on passe sur le côté. Et là, on va alterner un exercice pour les fessiers, un exercice pour les abdos et plus particulièrement les obliques, les muscles qui sont sur le côté des abdominaux. Alors, pour l'exercice des fessiers, on tend le bras ici côté sol, on pose la tête pour la colonne complètement alignée et pas se mettre comme ça. Voilà. La jambe du dessous légèrement fléchie, du dessus tendue, et là, en même temps, on y va, on monte, on descend. C'est parti. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Orienter les orteils en direction du sol. On continue, on ne lâche pas. Encore 5 secondes. Et top. On pose et là on alterne tout de suite avec le gainage latéral pour les obliques. Pour le gainage latéral, l'épaule au-dessus du coude, l'avant-bras en entier sur le sol, les deux jambes tendues, la jambe du dessus soit reste ici comme ça, soit se place légèrement devant et on bloque la position. C'est parti, 20 secondes. Si c'est trop dur, on peut fléchir les genoux et faire la même chose comme ça en étant complètement aligné. Allez, on tient. Une option, celle qu'on veut, soit sur les genoux plus facile, soit les jambes tendues. Encore 5 secondes. Et top. On fait la même chose de l'autre côté maintenant. Les fessiers. C'est parti. Donc la main du dessus devant, la main côté sol tendue. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Encore, on continue. Encore 10 secondes. Les orteils orientés vers le sol. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Ok, top. Maintenant, le gainage latéral. Sur l'autre côté, la même chose. Je vous le montre de ce côté-là, mais restez bien sur le même côté. C'est parti. On tient.
20 secondes pour la première série. La tête alignée en prolongement de la colonne. Les deux jambes l'une au-dessus de l'autre ou alors celle du dessus légèrement devant. On lève bien les hanches, on tient bien ici, on reste bien gainé dans les obliques. Allez. Ok, top. Et on reprend une deuxième fois de l'autre côté. La même chose. Donc, d'abord les fessiers. La jambe du dessus comme ça. On y va, c'est parti. C'est vraiment gainer le bassin aussi. On ne bouge pas dans tous les sens. Il faut avoir juste la jambe qui bouge. On bloque en haut et on fait des petits ronds dans un sens. On tient. Dans l'autre sens. Vous allez sentir que ça commence à brûler. Sur le côté de la cuisse, petit moyen, fessier ici en haut. Et top. Le gainage latéral tout de suite. Go. Allez. 30 secondes cette fois-ci. Vous pouvez très bien commencer avec l'option plus difficile comme ça. Et quand vous n'en pouvez plus, vous finissez avec l'option sur les genoux, les jambes fléchies. Allez, on tient. Bien gainé dans les obliques. C'est les obliques côté sol qui vont travailler ici. Et top. Pour l'autre côté. La même chose. C'est parti. On commence avec les fessiers. En haut, on fait des petits ronds. Allez, on tient. Encore. On tient, on bloque sur les petits ronds. Dans l'autre sens maintenant. Allez, on lâche pas. Et top. Le gainage latéral de l'autre côté. C'est parti. Je vous le fais ici. Vous voyez bien. Allez, 30 secondes, c'est le dernier. Allez, encore. On peut très bien finir les genoux comme ça, les jambes fléchies. Ok, très bien. On va terminer la séance avec deux exercices assez compliqués pour tout donner. On se met en position, donc pas besoin du tapis, en position de grimpeur, donc les bras tendus, les épaules au-dessus des poignets, comme ça, comme si on était en position de pompe, le regard au sol. On décolle le genou, le pied avant ici, et là, on échange. Et on accélère. On accélère, on laisse toujours les épaules au-dessus des poignets, on rentre bien le ventre, on contracte bien les abdos. On monte bien haut les genoux, c'est pas des talons de fesses comme ça. Et on repasse debout. On alterne ça avec des fentes. Fentes sur une seule jambe. Donc, on fait un pas en arrière. On va commencer avec la jambe gauche en avant. On fléchit les deux jambes. On remonte. On ne tend jamais le genou complètement ici. Et on part pour 30 secondes. Allez. On inspire. On souffle. Pas complètement la jambe avant, le genou doit bien rester au-dessus du pied. Pas de genou qui dépasse la pointe de pied comme ça. On descend, on monte. On garde bien le buste droit, on souffle en montant, on inspire en descendant.
descend bien entre les deux jambes. Et on recommence le grimpeur une deuxième fois. C'est parti. 20 secondes. Allez, les abdos bien contractés, monte bien les genoux. C'est assez cardio aussi en plus. C'est bientôt la fin. 3, 2, 1, ok. Et maintenant, l'autre jambe pour les fentes. La jambe droite qui travaille, la jambe gauche en arrière. C'est parti. 30 secondes, pareil. Le genou arrière en direction du sol. Ne tape pas le sol fortement. Tends pas complètement le genou avant en soufflant en montant. On inspire en descendant. Et une dernière fois, le grimpeur. C'est parti. Autre option pour le grimpeur, si c'est trop dur comme ça, continuez si vous y arrivez. Mais autre option, doucement, j'emmène le genou gauche en direction du coude gauche et inversement. Donc en soufflant, j'inspire, je reviens et de l'autre côté. Sinon, on reste en grimpeur et encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Merci à vous.